fait très plaisir de voir qu'on a autant d'inscrits à cette matinale. On est assez heureux, c'est un des grands événements de l'année pour le CDRT, pour l'écosystème aussi, hein, l'écosystème des réseaux, des télécoms et des communications unifiées. On travaille sur un deuxième grand événement en fin d'année aussi, une grande matinale autour du bâtiment connecté et de la Smart City. Alors le club a été créé en 2012, c'est un club d'affaires. Et j'ai rajouté un club de partage, puisqu'on le voit, et je m'en rends compte de plus en plus, avec une cible prioritaire qui était de réunir des intégrateurs qui allaient avoir à subir des challenges liés finalement à la convergence informatique et télécom. Ce club avait comme vocation de faciliter le networking, donc faire en sorte que les gens puissent se voir, partager des problèmes, des solutions, des expériences, échanger librement, sans se dire que les uns et les autres sont concurrents ou pas dans la même région. Anticiper les évolutions de marché, je pense que depuis 2012, les évolutions de marché, elles ont été nombreuses. On en a encore beaucoup devant nous. Et elles sont très liées finalement à l'évolution des besoins des utilisateurs. Et ça aussi, c'est un des vrais sujets. Comment faire pour bien anticiper les besoins des utilisateurs? Le club organise une quinzaine d'événements par an, sous trois formules. La plus fréquente, c'est les dîners thématiques. Donc on est dans une approche de dîner dans des lieux select, sympathiques, où on va pouvoir prendre du plaisir ensemble, networker, les matinales comme aujourd'hui, généralement 2 à 3 par an, et puis des cocktails dînatoires où on a vocation à mettre en avant des startups disruptives potentiellement, et qui sont capables d'amener aux intégrateurs, à l'écosystème, une approche un peu innovante des communications en entreprise. Donc l'idée de cette matinale, c'est de vraiment faire un état des lieux, de voir quelle est la chaîne de valeur de ces propositions, et je pense qu'on a tous besoin d'un éclairage si on veut que ça continue à décoller, parce que ça commence à décoller. L'accompagnement au changement, que ça vienne de l'éditeur ou que ça vienne de l'intégrateur auprès de son client final, ça va se jouer là-dessus, puisqu'on est en train de dire que les solutions se valaient un petit peu, même si c'est pas forcément le cas, c'est pas sur la techno, mais c'est sur l'accompagnement, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, d'assez complexe, donc ce rôle va être déterminant. Donc c'est vrai que la communication unifiée, si l'intégrateur le comprend, il change de métier, mais il a un rôle crucial. Le cloud permet l'industrialisation, simplifie l'industrialisation, il permet d'améliorer le niveau d'intégration, sachant que, a priori, le cloud ne va pas bloquer l'intégration. Avec le cloud ou le on-premise, on est capable de faire les mêmes niveaux de personnalisation et d'intégration. Donc la vente indirecte, la vente des intégrateurs, le rôle de l'intégrateur en tant qu'opérateur de service est vraiment un rôle d'avenir. Et pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, on voit bien que il est encore temps d'y aller, mais il faut y aller maintenant.